Le 9 janvier dernier, Gabriel Attal a été officiellement choisi pour remplacer Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. Ce 11 janvier, le plus jeune Premier ministre de la Ve République a choisi son ex-compagnon Stéphane Séjourné en tant que ministre des Affaires étrangères. La suite après la publicité ce début d'année 2024 est celui des nombreux bouleversements. Un remaniement de grande ampleur était annoncé et il a bien eu lieu. Le 9 janvier dernier, Gabriel Attal a officiellement été choisi comme Premier ministre par Emmanuel Macron et quelques heures seulement après l'annonce tant attendue, la passation entre le plus jeune Premier ministre de la Ve République et sa prédécesseur Elisabeth Borne était organisée à Matignon. Ce 11 janvier 2024, le nouveau gouvernement concocté par Gabriel Attal et Emmanuel Macron a été dévoilé. Stéphane Séjourné, le plus jeune ministre des Affaires étrangères, une annonce peu attendue a été révélée lors de cette soirée. Ancien secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné remplace Catherine Colonna au ministère des Affaires étrangères, a fait savoir en premier BFM TV. À 38 ans seulement, il devient, et de très loin, le plus jeune ministre des Affaires étrangères de la Ve République. Une fonction régalienne tout comme les postes de ministre des Armées, de l'Économie, de l'Intérieur et de la Justice. Celui qui est député européen depuis juillet 2019, qui avait été nommé le 19 octobre 2021, président du groupe Renew Europe au Parlement européen, était pressenti pour être tête de liste de la Macronie aux prochaines élections européennes. Entre Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, tout n'a pas toujours été seulement question de politique. Les deux hommes ont été en couple. Stéphane Séjourné séparé de Gabriel Attal depuis 2 ans, la nouveau Premier ministre et le nouveau ministre des Affaires étrangères se sont rencontrés au début de l'année 2015 lors d'une réunion de travail. Ils avaient alors vécu un crush immédiat, comme l'avait révélé par un témoin de la scène au Monde. Paxé en 2017, les amoureux se sont malheureusement séparés en 2022, une information qu'ils n'ont jamais commentée. Alors que Stéphane Séjourné va être nommé au Quai d'Orsay tout en conservant la direction du parti Renaissance, son entourage tient à préciser que M. Séjourné et M. Attal ne sont plus ensemble depuis 2 ans. Leur pacte a été rompu à ce moment-là, a publié ce sur X un journaliste du Figaro. La réaction de Stéphane Séjourné à la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Le jour de la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre, Stéphane Séjourné avait alors très rapidement réagi. Je salue la nomination de Gabriel Attal. Nous avons besoin de son talent pour la poursuite de nos engagements politiques. Merci à Elisabeth Borne pour tout le travail accompli, avait écrit sur X celui qui était encore le secrétaire général de Renaissance. Rachida Dati, le retour surprise à la culture. La sarkozyste Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, a quant à elle été nommée ministre de la Culture en remplacement de Rima Abdul-Malak, l'une des ministres menacées depuis le vote de la loi immigration. Un nouveau poste qui fait déjà beaucoup parler. Éric Ciotti a annoncé exclure Rachida Dati des Républicains après sa nomination dans un communiqué. Bruno Le Maire est confirmé à l'Économie, Gérald Darmanin à l'Intérieur, Sébastien Lecornu aux Armées, Éric Dupond-Moretti à la Justice. La suite après la publicité.